Cette semaine, comme vous savez, j'ai conduit cette mission, qui était une mission inter-agence à la demande du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Et les Nations Unies, vous vous souvenez, ont été aux côtés du Burkina durant le moment le plus difficile. Nous voulons que cette solidarité se traduise de manière encore plus efficace dans le domaine prioritaire que sont l'urgence humanitaire, les questions de paix, de cohésion sociale, de justice et le développement sur le long terme. Dans l'humanitaire, les Nations Unies aident le gouvernement à gérer les flux de populations déplacées, plus de 100 000 personnes à présent. Pour ce qui concerne les écoles, 150 000 élèves qui se sont retrouvés sans école depuis 2 ans par les folies des extrémistes, on doit les aider. Donc l'éducation, c'est l'avenir du pays. Et c'est le seul chemin vers le développement. Et l'ONU aide le gouvernement pour réouvrir le classe et fera encore plus dans les mois à venir.